Un beau Game Boy couleur avec l'écran petit. Si on voit comme faux, j'entends rien. Ah, ok. On voit bien tout. Fait que c'est un écran à remplacer tout simplement. Fait que, on va enlever les batteries. Enlever Mega Man 2. J'ai déjà pré-dévissé les vis. Là. Enlever le cover. Replacer ça tantôt. Fait que l'écran, Max s'en était procuré une. Flambant neuve. Avec le ribbon cable. On va essayer de trouver où est-ce que ça va, mais je pense qu'il n'a pas acheté la bonne affaire, le petit Max. Parce que le ribbon cable, il est genre 1 cm de large. Et le connecteur de son Game Boy couleur, il est quasiment 2 cm de large. Fait que déjà là, ça marche pas, c'est pas la bonne pièce. Mais j'avais pareil la déclipper de là. Il y a comme deux petites clips, deux petites âmes. On va enlever ça. Et voilà, c'est le cœur du Game Boy. Je vais mettre de côté la switch de power qui devait aller ici dans le casing. Fait que ça prend vraiment la bonne affaire. Bon, c'est étonnant ça. Juste checker voir si c'est un petit foam. C'est un petit foam. C'est vraiment pas la bonne affaire. Ben coudonc. En attendant les pièces là, pour l'écran Max, là, je vais essayer d'enlever la vieille. Sans trop tout décrisser. C'est comme plus collé. Ah, tu vois, je pense que je l'ai presque déjà. Sinon, ben, ça va me coûter un écran. Pas un écran, mais un cover. Fait que la vieille écran est déjà enlevée. On voit qu'il est tout pété, là. On va lui en donner de l'amour, tiens. Fait qu'on va fouiller pour trouver ce qui va rentrer là. Puis on voit bien que c'est pas compatible. On va à l'avenir, je vais dire à Max de pas se charger de l'achat des pièces, de me laisser faire. Ouais, ben on a un problème, Max. L'écran que t'as acheté, l'écran de remplacement, le connecteur a juste 1 cm de large versus l'original a 2 cm. Paraîtrait-il qu'avec ces écrans-là, il venait un petit board qui pouvait se marier là avec, avec ce grand connecteur-là que normalement il fit avec ça. Fait que il y a un petit board que le petit connecteur se branche dedans, puis qu'il y a un petit ribbon cable qui se plug dans le board du Game Boy. Je sais pas si tu as eu ça avec directement reçu des États-Unis d'Amérique. L'écran du Game Boy couleur à Max Facto. C'est supposé d'être la bonne pièce. Ça vient de. Attendez. Chicago. On va utiliser une vieille lame rouillée pour ouvrir ce colis.
une enveloppe d'une enveloppe. Une petite étampe pour Max Recto. Et un petit bonbon, qu'est-ce que c'est, peut-être du GHB. Je vais y apporter ça de là, de la vitamine C, mais je vais laisser Max l'essayer. Il aime ça vivre dangereusement. Donc, une enveloppe dans l'enveloppe. On va faire attention parce qu'il y a un ribbon cable. Ah! Billy qui s'en vient, peut-être. Donc, encore une fois, je crois que ça devrait le faire. Belle grandeur d'écran avec le bon ruban. Je vais vérifier s'il n'y a pas des impuretés. Fait que, il reste les deux petites tables à renfoncer. Un coup que c'est, le ribbon est bien inséré. Et je crois que c'est ça. Là, je sais qu'il faut bien insérer le haut-parleur en premier. Et voilà. J'ai oublié de mettre le bouton Select Pistor. Bon, bon. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est le chaos. Et je vais remettre le bouton Select Pistor. J'ai nettoyé même pas, sont très propres. Très propre. Fait que ça, c'est mis, c'est installé. Il reste le bouton on/off qu'il faut insérer dans le châssis. Et voilà. Mes petites vis qui sont dans une boîte de Magic. Ça prend vraiment un tournevis spécial. Un tournevis à trois petites ailettes. Ça, c'est de la production. Ça paraît que ça fait plusieurs semaines que je l'ai démanché. Fait que c'est pour ça que je me rappelle pas où se calaient les vis. Où se calaient les vis. Ça se dit bien, ça. Checker ma vidéo, hostie. J'ai fait mes vérifications pour la location des vis, comme c'était un gros dossier complexe, là. Mais il y en a deux qui vont en dedans. Pour tenir le circuit en place. C'est difficile un peu. Après ça, il va rester le boîtier. Donc là, ma switch est là. Le haut-parleur est bien en place. Je vais essayer de sacrer ça là. Boum. On va commencer avec ceux-là du compartiment de batterie. On serre pas trop dur pour pas casser le plastic. Il va rester à tester l'écran. Je vais mettre des batteries. Max avait perdu le cover de sa machine. Yes. Fait que ça fonctionne. L'écran est redevenu merveilleux. Avec la petite musique gossante. Fait que ça fonctionne.